viendrez dans un autre monde. La main posée sur ta hanche, la marque déposée. Veux-tu bien être mon dernier amour? C'est pas grave si pour toi c'est pas grave. Si pour toi, si vous, si vous, si vous, toi c'est pas sûr. Pousse un peu de toi dedans. Soulève les pulls, les jupes et tes voiles. Je veux être devant toi, à poil. C'est un grand plaisir. Ça me donne un encouragement d'écrire encore. Et puis de savoir que ces chansons-là, peut-être plus sur la scène que sur le disque, que ça... que tout le monde a eu des nostalgies d'enfance, tout le monde a eu je sais pas, j'adore pourquoi, à la grâce de toi, je trouve que Prends cette main, ça tient très bien sur scène. Ex-fan de 60s, petite baby doll, comme tu dansais bien. Comme disait Deleuze, il est un concept, comme Kafka. Il y avait un avant et après Kafka, il y avait un avant et après Serge Gainsbourg. Je pense que j'ai hérité probablement des plus belles chansons qu'un être humain a pu écrire pour un autre être humain. C'est un bonheur d'expliquer qui il est. C'est un bonheur d'essayer de le rendre vivant. Et comme il n'a jamais eu la chance de venir chanter à New York, et comme ils l'auront adoré, alors de les donner un tout petit goût de comment l'impertinence qu'il avait, le courage, et puis la qualité des chansons, c'est le plus grand poète moderne. Eden, Jimi Hendrix, Otis Redding. Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Si j'étais jeune, je viendrais vivre à New York. Et je pense que si les filles le font, je serais la plus heureuse des mères parce que ça me permettrait de venir à New York souvent. Donc c'est par les yeux de loup que j'ai vu New York. Mais c'est aussi ma grande fille Kate, Barry, son père habite à Long Island. Donc en fait, j'étais à New York il y a 45 ans, hein. Facile. Donc ça fait longtemps que je connais New York et les comédies musicales et le Broadway et tout ça. Et je pense que le propre de New York, c'est qu'on ne se sent pas étranger ou que tout le monde l'est. Tout le monde vous parle en fait. Tout le monde dit voilà, take care parce qu'il y a de la neige ou faites attention, take care. Je trouve ça si gentil que je rentre à Paris avec cette nostalgie-là, là, pour le coup. D'abord, on trouve ça un peu sucré, mais on s'y habitue drôlement. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel de poste de police. J'ai appris ça hier soir. Avec lui, il y a quatre nuits, quand je regardais Isabelle Huppert dans le Streetcar Nobelizir à l'Odéon. Mais je croyais que c'était une blague. Et puis elle m'a dit la date, là. Donc je sais que c'est Jennifer March, April, mai. Donc tu vois, il faut que j'apprends vite. De m'égarer, et je sais même grâce de pavant sur les pavés de l'amour. Dans un autre monde.